Hello, bonjour à tous les amis. Alors on se retrouve pour un... Aujourd'hui ce sont les championnats du monde de contre-la-montre par équipe. Alors ça se déroulera du 22 au 24 octobre comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et ils seront donc sur 3 jours. Et attendez parce que j'ai le retour du son et c'est assez désagréable je vous avoue. Voilà, ok c'est parfait. Ça on peut quitter. Alors je suis un peu à la bourre parce que je viens d'avoir fini le travail seulement. Donc je suis un petit peu en retard. Et normalement, j'avais prévu de vous mettre de la musique, etc. Mais je ne vais pas savoir le faire pour la simple et bonne raison que je suis, bah, comme je viens de vous le dire, complètement dans le jus. Alors, est-ce que si je fais ça, ça fonctionne? Parfait, ça fonctionne. Alors, hop, là, vous avez normalement le chat qui doit être ici, mais qui n'apparaît pas. Pourquoi? On ne sait pas. Personne ne sait. C'est pas grave. Et de toute façon, on va passer directement sur cette scène-là. Alors, vous ne m'entendrez pas toujours parler. Par contre, vous allez entendre le Discord, parce que je vais rejoindre le Discord. Et je ne vais pas commenter ce live en direct, parce que comme vous le savez, bah, c'est un contre-la-montre par équipe, c'est assez violent pour l'organisme. Donc, je n'aurai pas l'occasion de parler et en même temps de répondre à vos questions. Donc, on prendra 5 minutes à la fin du live pour répondre à toutes vos questions. On est parti pour un contre-la-montre qui débutera pour nous à 20h45, je crois, exactement, heure de départ. Mais on vise un temps inférieur à 40 minutes. Donc en dessous de 40 minutes, c'est l'objectif du jour. Ça va être très très compliqué. Mais on a une très bonne équipe. Et alors évidemment, on aimerait bien faire objectif général top 10 à ces championnats du monde. Objectif secret, je vous l'annonce comme ça. Ce serait pas mal pour cette première édition des championnats du monde de Zwift. Salut à tous, je vous dis bonjour, je suis désolé, je suis à la bourre, le départ est dans 15 minutes. Donc, je coupe mon micro, enfin je coupe pas mon micro, mais on passe directement sur le Discord. Et voilà, la prochaine fois j'aurai peut-être un peu plus de temps, je devrais moins courir. On est parti, let's go. Salut la Team Foudre. Allô? Ah, attendez, j'ai fait de la merde, j'entends personne. Alors, soit la Team Foudre, ils sont pas là. S'il y a Damien qui parle, mais je t'entends pas, Damien. J'ai fait un truc. Je dois avoir fait un truc qu'il fallait pas. Allô, 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 allô. Non, j'entends personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, vous m'entendez, je vois que vous parlez, mais c'est juste que moi, je vous entends pas, je sais pas pourquoi. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je crois que c'est comme ça. Allô? Non, c'est pas là. Allô, allô? Je n'entends personne, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai fait un truc qui va pas. Voix et vidéo. On va pas faire ça, on va faire... Hop. Allô? On t'entend, Alexandre. Ah, super. Vous m'entendez mieux comme ça, non? Ouais, on t'entend super. Ok, désolé. C'est bon, toi vous êtes... qui nous entendais pas. Ouais, je vous entendais pas, c'est vrai. Vous êtes en live, hein, les amis, ça va? Salut le live. Salut tout le monde. Est-ce que Choupette, alors Choupette c'est ma chérie, tu pourrais me remplir mes bidons s'il te plaît quand t'as deux minutes? Allez, pas de son. Ah non, c'est Lurie, c'est Lurie qui est en train de se casser la gueule. Hop. Et voilà. Alors, on va rejoindre direct. Ils sont en train de rouler normalement. Hop. C'est parti. Oh mon dieu, c'est dur. T'es dans une côte, Martin? T'es là, Martin? Non, on te voit pas, là. Je crois il est passé, Martin. Moi non plus, je le vois pas. Il est dans sa bulle, il s'échauffe dans sa bulle. Ouais, à mon avis, il a éteint son truc. Je le rejoins sur Zwift. Merci. J'ai déjà un bidon. Ah, tu l'avais pas fermé. Aujourd'hui, j'ai. Je reconnais ce pédalier. Ah oui, oui, désolé, mais je vais pas appuyer sur le bouton. Je vais pas vous parler parce que la flemme. Mais plus... Moi, je découvre. C'est quoi l'histoire derrière le pédalier? Bah, j'ai mon pédalier qui a à suivre ma saison. Je vais en profiter pour dire bonjour à tous ceux qui rejoignent la live. Bonjour Charles, bonjour G880, bonjour Jolan, bonjour Tonton, bonjour Julien.
J'ai dit bonjour aux 30 personnes là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a l'heure exacte? C'est 29. Non, non, mais notre heure de départ. Ah, l'heure de départ, c'est dans 13 minutes 47. Ouais, mais... Ouais, et après, on est... On attendra 5 minutes sur le... Oh, purée, sur le start. C'est bon, c'est très bon. Donc, on partira à 20h45. Bon appétit. Je sais pas s'ils ont compté une partie du décalage dans le... Ah oui, tu veux dire pour le... Ça va, le bouger, ouais. Attends, là, il est 29, il y a... C'est Joël. Il y a 13 minutes, ils ont pris une partie du décalage. Ouais. Donc, ça fera 47, alors. Si j'ai bien calculé. C'est ça. 47 ou 48. 13 minutes... 47, exact. Comment ça la détection micro? Si je parle justement, il détecte ma voix, donc vous m'entendez. De toute façon, je vais chipoter à rien du tout maintenant. Désolé pour le confort du live, mais je suis complètement à la bourre et il faut que je m'échauffe un minimum. Maintenant. Normalement, je vais vous mettre des musiques, etc. Malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. Quoique, on va essayer. Ouais, non, je vais pas vous faire. Ouais, si, on va essayer. On va tenter. Voilà, normalement, on va entendre de la musique. Dites-moi si... Ah. Hey. Salut les gars, c'est Martin. Salut Martin. Ça va? Bah écoute, ouais. J'ai vu ton meet-up. Allô? Putain, y'a rien qui fonctionne. Je parle plus, c'est tout. Ouais, je vois ça. Allô? T'es trop concentré, c'est pour ça. Mais les gars, il me dit que le micro fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Salut Fred. Ta forme? Bon, on m'entend pas. Sur Discord, je sais pas pourquoi, mais est-ce que vous m'entendez le live? Même les mardis, parce que j'ai pas de retour. On est content de tout ça, c'est clair. Ok, bah si vous m'entendez, c'est parfait. Par contre, je vais baisser un peu. Bon, on démarre à quelle heure? Première chose, 45. Quoi. On démarre à plus de 5. Plus 5, au 47. 48. 47. Ok. Ok, est-ce que ça va le son? Est-ce que la musique ça va? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout va bien? Je ne comprends pas pourquoi ils ne m'entendent pas sur le Discord. Il y a un problème. Le truc n'est pas déchargé. Et je ne sais pas ce que c'est comme problème. Ah, je sais, c'est pourquoi. Alors, minuteur, on a dit 5 minutes. Allo, ouais. Comment on fait? Allo? Jean-Charles, Rémi.
pour démarrer à 42. C'est à 42 ça. Ah, dans 9 minutes, ça fait 42, ouais, c'est ça. Allô ? Ok. Putain. Non, mais c'est les dés, on est en D là ou pas ? Allô ? Ah, c'est bon, vous m'entendez. Allô, allô ? C'est ça ? C'est ça. On voit, ouais, on est en D. Okay. Alors, qui c'est qui s'occupe du chrono ? Moi, Rémi. Ok, Rémi, à 1 minute, tu préviens et tu fais un décompte à 15 secondes. Parce que je fais un chrono sinon. Fais un décompte à 1 minute, à 30 secondes, à 15 et de 10 à 0. Ah bah c'est super. Ça vous va ? Ça c'est même pas bon mais quoi. Je peux pas faire mieux, attention, j'ai plus de voix. Comme ça je me barre à 2 secondes comme d'hab. Ah c'est bon, ça fonctionne. Ouais ouais c'est ça, c'est pareil. Alors si t'as moyen de faire un petit effet graphique sur l'écran, c'est génial. Bon app. Il est cuit le riz. On sait pas où vous roulez, moi je suis retour à New York. C'est de trucs en verre et... Sur du plexiglas aussi à New York. Si, mais ça va. Sous l'eau, ouais. Ah ouais. On pareil, moi je suis dans le pas. Je suis au-dessus de toi. Sur du plexiglas. En fait, sur le live, vous entendez pas du tout la musique si je comprends bien. Salut Naki, salut à tous, salut Florian. Ouais, je suis désolé pour les coupures, je sais rien y faire. C'est trop juste au niveau temps, j'ai fini le travail à 20h. Donc 20h plus le temps d'arriver maintenant là, c'était chaud. Salut Eure-et-Loir Sleeping. Ouais les voisins, ça va bon, j'ai l'habitude mais bon je viens de voir qu'il y a moins de 2 ans sur Amazon, donc je vais tenter le coup que j'ai fait avec une dizaine de trucs il y a une semaine, c'est d'appeler le soir en disant que le support de taxe ne répond jamais et que je vais aller à l'étranger, on va voir si ça passe. On verra. Sinon, bah, tu pourras bien que je résoudre à acheter un autre, mais alors, je vais prendre un truc un peu plus cher. Hein. Un peu mieux, ouais. Ouais, mais c'est... ouais, je suis content que tu l'as. Hein. Est-ce que vous m'entendez ? Non, ils m'entendent pas, putain, c'est de la merde, j'en ai marre. Tu veux avec le pneu directement posé, quoi. Tu veux avec le pneu posé directement, mais avec le truc directement à la cassette intégrée, quoi. Allo les gars, sur Discord, est-ce qu'on m'entend ? On m'entend pas. Pour l'instant ça fait du bruit, il fonctionne encore mais il fait du bruit. Ah. Est-ce qu'on m'entend ? On fait au feeling ou vous voulez une organisation de course ? Vous voulez qu'on démarre ? Non. Moi je vais annoncer à chaque fois, je l'ai. Bon écoutez, ils m'entendent pas sur Discord, ça me saoule donc on va faire sans. En train de me casser la tête. Tant que vous m'entendez, c'est le principal. Et je remettrai le Discord au dernier moment, ils m'entendront pas parler. Et de toute façon, je parle jamais, donc c'est pas un problème. Allô. Allô. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oui. Ah ok, je sais pas pourquoi mais à chaque fois on m'entend plus, le micro se déconnecte. Là on t'entend bien. Ok, parfait. Assez clair. Ça va nickel. T'avais des soucis sur la vidéo, j'ai regardé tout à l'heure. Ça a coupé effectivement. Ouais, il paraît que ça coupe, mais malheureusement, je sais rien faire parce que c'est trop juste par rapport au départ du TT. Si par exemple, au deuxième tour, on voit qu'il y en a 5 qui se sentent bien, 5 qui se sentent bien, et 2 qui sont un peu moins bien, si on les perd, je pense qu'il ne faut pas non plus réduire trop. Oui, non, non. C'est moins grave au dernier tour. Ou on va dire à la moitié. Il y a un moment qui veut lâcher, qui ne se sent pas. Il le dit, pas qu'on attende juste. Et il faut comprendre qu'il y avait qu'un tour, Martin. Ah, je crois que c'était 2. Non, non. C'est bon, pas sur un. Et y a une tactique ou on fait c'est comment ? C'est un seul, qu'un parcours. C'est un tour de 3 km là. Y'a qu'un tour, je crois. Ok. Pas de soucis. Est-ce qu'il y a une tactique ? Même si c'est pas évident, c'est peut-être démarrer un peu fort.
ça m'a foutu dans le rythme, faire peur, ralentir. On pourrait tirer le milieu, et à la fin, ouais, ça me va. Mettre une cadence, voilà. Ouais, désolé, mais je te fais baisser. C'est plus puissant. Ouais, y'a pas de soucis. Ok, tu fais ça sur, on va dire, 2 minutes. Tomber à doigt, c'est combien de temps, en fait? Moi, je dirais, il faudrait pas que tu dépasses les 320. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. 320, 330, sur 2 minutes, 3 minutes, c'est que tu te sens capable. Ouais, ça fait pas beaucoup, ça, non? Non, mais ça, dans les roues, ça va. Tu restes derrière, ça va. Honnêtement, dans les roues. Alors, juste, à limite, ce que je te propose, c'est de le faire progressivement. Nous, on reste derrière. Ouais. Et tu fais genre, tu commences à 280. Ouais, et tu fais 30 secondes, tu augmentes un petit peu. Tu vois, 30 secondes, le temps de se mettre un peu dedans. Ok. Et il y en a un, c'est pas, ça commence à être limite. Vous voyez, voilà. Ça calme un peu le rythme. Alors, pour les nouveaux aussi, faut arrêter de pédaler à, quand l'horloge arrive à 15 secondes. Faut arrêter de pédaler, sinon vous allez partir. Et nous, on doit attendre 7 minutes. 5 minutes, pardon. Pour Alban, par exemple. Alban, non mais Alban, il connaît, il était avec nous la semaine dernière. Ah, ok. Ouais, autant pour moi. Donc, tout le monde. Salut Cyril. Bon. Oui, le vélo craque toujours, mais si vous avez un budget pour le réparer, je veux bien votre budget. Ça, c'est appel à la vidéo. Non, mais les gens, ils critiquent tout le temps mon vélo, mais ça coûte de l'argent de faire réparer un pédalier. Ouais. Effectivement. Écoute, on essaie de gagner le Time Trial Team World Championship. Et on leur demande un pédalier. Alban, t'as pas entendu, t'as ton micro coupé encore. On n'avait pas, on avait pas demandé en entendant de raquette d'abord, Martin. Salut Alban. Salut Alban. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? On n'avait pas demandé en entendant de raquette pour gagner, c'est pas ça? Sponsorisé par Martin. Bon, une 50, on rejoint. Ouais, on y va, allez. Il y a aussi un grill croque-monsieur, je crois, non? Il n'y a pas ça? Et il y a aussi une choucroute. Pouh. Ah, Nicolas, il nous entend? Il faut pas qu'il accélère comme la dernière fois. Bon, les gars, 15 secondes, faut arrêter. Hein. Grand max, là, même 30. Nicolas, si tu nous entends, arrête de pédaler si tu nous entends à 15 secondes. Ou sinon, faut aller dans le menu Bluetooth, mais faut pas le faire pendant la course comme moi la semaine dernière. Ah ouais, tu coupes le Bluetooth. Ça, c'est quand même dans le menu configuration Bluetooth et ça te bloque ton avatar. Ouais. Bon, après, il faut qu'il redémarre, quoi. Alors, redémarrer, c'est possible, rattraper, c'est moins possible. Ah, il y a moyen, mais faut pousser, quoi. C'est le Basic 4, notre maillot, j'ai oublié. Ouais, je pense, le basique ouais. Bleu, là. Le bleu. Le 4, ouais, basique 4. Ok, merci. Ça, je vous raconte ma vie. Hein. 40 secondes, les gars. Oubliez pas d'arrêter de pédaler. Ouais. Ah, moi, j'espère maintenant. Hein. Parce que on arrête de pédaler, les gars. On arrête. Si on continue à pédaler, on est éliminé, en fait. Tout le monde est là. Ouais, c'est là, Cyril. On est à combien la partie? On est 8 là. On est 8. Ouais. C'est le max, hein, 8, c'est ça? Ouais, ouais, c'est le max. Et on doit arriver à 5, c'est ça? 10 secondes. Ouais. Salut Berserk, salut Joël. On part pas, hein, les gars. On part pas, hein. Ouais, c'est Steph, c'est vrai, mais le problème, c'est que j'ai le vélo. Et du coup, vu que j'ai besoin de mon vélo, j'ai pas encore le temps d'aller le poser chez le marchand de vélo. On va démarrer. Ouais. 5 minutes. On fait des pompes, j'adore. Des burpees, des burpees. Ouais, tu peux aller faire un petit pipi, boire une bière. Je vais me faire la raclette là, un petit bout de fromage. Oui, c'est bon, vous êtes en live les gars. Ah, bonjour le live. On parlait de live. Raclette. Ah, c'est une image. On parlait déjà de manger en fait. C'est une image sportive en fait, tu vois. Les mecs, ils vont se lancer pendant. C'est bon pendant 45 minutes. T'as fait bonne chair. Ce serait bien, c'est bien, on va partir. On va pas avoir trop de monde derrière. Alors la ruine, c'est la ruine du homme tanner. Ouais, t'inquiète, je vais manger.
Ouais, ouais, bah oui, Alex, il est sur la même course que moi. Ouais, on est tous les deux sur la même course. Salut le YouTube de Jeune Cycliste Dynamique. Salut le live d'Alex, je sais pas si on est Discord. Ouais, ouais, ils t'entendent. On fait du YouTube cross-canal, là, c'est oh là, ça devient compliqué, hein. Déjà, c'est pas simple. Non, mais on a, je coupe vous micro. Divisez les abonnés, là, hein. C'est dans les droits d'auteur, on va qui, là, d'ailleurs. Ouais, oh, d'ailleurs. Moi, je fais quelque chose. Ils vont au pédalier d'Alexandre, déjà. mon droit d'image, moi, je vais pas céder comme ça. Monsieur Chrono, combien de temps? 3,34. Ouais, il y a le stress qui arrive là. J'ai mes pulses qui montent là. J'ai mes pulses qui montent juste avec le stress. C'est beau. Merci pour les youtubeurs. S'il y en a un qui a 180 pulses, c'est pas normal. Hein. Bébé, c'est le moment de faire un bisou d'encouragement. Ouais, moi j'ai. Ouais, il rentre bien. Il y a un mec où la fréquence cardiaque ne marche pas, on est éliminé. Et tu veux bien que tu empêches celui-là? Bah, ça va, je sais pas dire. Mais non, mais dans le normal, mais pas dans la carafe. Bah, oui, je crois quoi. Alors, je ne pars pas, parce qu'on doit attendre le départ, on doit partir avec 5 minutes de différence. Autrement, on serait en plus, tous ensemble. WTRL, les gens nous aiment pas trop depuis la semaine passée, là, avec toute cette histoire sur Facebook. Pourquoi ils nous aiment pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On est mort dans combien de temps, les gars, vous savez? 2,50. Allez, 2,50. Ça marche. Ben, ok, c'est bon. Je viens de me prendre 10 pulsations là, de stress, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est assez plat le chrono aujourd'hui, hein, si j'ai bien compris. Faites attention à ce que votre entraîneur ne se déconnecte pas. Ouais, moi il vient de se déconnecter là. Ah, c'est bon, il est. Ouais, c'est pas ça. Ouais, c'est ça le vôtre. C'est marrant, tiens. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Moi il reste toujours bien branché. Il se met en mode veille. Merci. Pour pas qu'il se déconnecte, juste pour rigoler. Bon, il y a une côte assez longue. Putain, je vais avoir du mal dans la côte. À mon avis, je vais pas faire trop le malin avant la côte. Avant la fin de la côte, je vais rester calme. Ah, il se déconnecte jamais, j'aime bien. Il y a peut-être un mode veille ou quoi que vous voulez. Peut-être regarder dans vos paramètres, à mon avis, il va y avoir un mode veille. Bien sûr. 2 minutes. Deux minutes avant le départ. Ah, le ventilo, on l'entend. Effectivement, il souffle fort. Ouais. Faut que je le baisse. Ah là, on entend un beau bruit de roue libre. Moi, ça va. Donc, on part à quelle heure exactement? Donc, c'était 40 plus 5 à 4. Non, attends. 45 plus 47. 5, c'est 5. Hein. 47. 42, 42 plus 5. Ouais. Ouh, okay. Là, ils sont pas très très bons en mathématiques là. Ouais, non, j'avoue. On est à l'école, les gars. Chrono, là, on a combien? 1,35. Ouais. Vous savez s'ils sont bons et les casques, enfin, si les casques de Zwift là, ça améliore vraiment les perfos ou pas? Non, ça change rien apparemment. C'est du bullshit? Ok. Ouais, je pense. Ouais, c'est juste pour te vendre un truc en plus. Hein. Comme ça, ouais, tu dépenses tes petites. Aussi, ouais. Non, c'est un avantage le casque, c'est que tu reconnais mieux les gens, je trouve, quand on est tout seul avec les deux. On sait qui est devant. Ah ouais, je comprends. Ouais. Martial, t'es en vert toujours? Non, c'est Rémi. Martial, t'es en vert toujours? Deux. Les gars, j'ai mon trombail. Une minute, les gars. Donc on a l'équipe, on a quelle équipe qui part devant nous? Pencave. Ouais. On va aller les rechercher. Hein. Il y a JB qui vient pour vérifier la technique. Eh bien, on parle loin derrière, c'est cool. On suit Fred Divita. Je vous répète, on suit Fred Divita sur les 3 premières minutes. Ça hein. Roule. Okay. Et on part à combien de watts au début? 300, 280 à 330. Je vais essayer de partir progressivement. Je vais partir 30 secondes. Ouais, je suis parti. Je vais vous demander de baisser le ton, sinon le chrono, on va pas l'entendre. Comment je fais? Je suis parti. Ouais, les gars, c'est tout le monde. Tu t'arrêtes. 20 secondes. Je me suis arrêté. Passe rapidement pour vous encourager et aussi pour vous rappeler le fait que si vous êtes rattrapé par une équipe, vous la laissez passer, vous créez un écart. Ouais. Je sais pas si tout le monde m'a entendu, je suis parti ça fois exprès. Donc ouais, c'est pas grave. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Vas-y, pars. Pars, celui qui est devant là. Ouais, je suis parti. Tu roules doucement, on arrive sur toi. Ah, c'est bon. Non, on descend. 340. Je vais couper. Allez, ça prend le temps. Excuse-moi, Fred, mais c'est parti. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, accélère. Pêche, accélère. Ouais. Accélère fort. Je suis parti très fort. C'est bon. Alors, on se met bien en ligne, les gars. C'est parti. Parfait.
chez Fred, il va se mettre entre 300 et 330. Là. Ça va. Très bon pour relancer. Bien. Tiens, il y a quelqu'un qui a un problème de capteur de cadence là. Ouais, c'est moi. C'est bon. Voilà. Ça va. On a perdu quelqu'un. On a perdu Fred. Ouais. Merde. Moi je fais un peu l'élastique, c'est bizarre ça. Je suis devant derrière. Ouais, voilà, je comprends pas. Ouais, on a perdu Fred aussi. J'ai du mal à être plus doué. Il s'est déco. Fred est parti. Ouais, il s'est déco. Fuck. Sur devant, c'est un peu vite. Ah, vous avez perdu. Je ralentis, hein. Je ralentis. Tu vois plus là. Tu sais pas où t'es ? Non. Je vois plus vers toi. Je vois pas non plus. Continue à pédaler quand même, Fred. Ouais. T'es peut-être déconnecté juste. Ouais. Continue à 290, ça arrive. 290-300. Ah, y'a un problème. C'est pas grave, on s'en fracasse pas. C'est pas grave, on roule. Ah, voilà. Ça a été revenu. Attendez. Donc, on attire la fin. On attend. On attend, les gars. On attire pas, les gars. On lâche pas devant, on attend. On attend. Ça monte. Essaye de faire le bond dans la bosse, on va la monter tempo. On l'a reperdu. Putain, j'en peux rien. On l'a reperdu. C'est pas grave, on continue alors. Merde. On continue comme ça pour l'instant. Pas forcé. Et n'arrête pas après, je sais jamais. Non. Tu dois la grappette là. Mais R3R, ils sont partis trop vite. Là on est. Attention. Alex, doucement, je prends le décart. Ok, désolé. Bien. Là on est en haut de la côte. Dans le virage. Ouais, dans le virage on a pris le virage. Ouais, c'est con putain, c'est con que ça ravage pas. Pas normal. Tu vas toujours pas. C'est comme nous, tu reconnais point. Là je revois du carrement. Ah, ça peut être relevé. Si je te vois, c'est bon. Je te vois. 6 secondes. 6 secondes. 6 secondes.
9 secondes, ouais, c'est bien. Si t'arrives à faire le jump, tu te reposes après dans les roues. Si t'arrives. On ne voit pas. On n'attire pas les gars. On n'attire pas les gars. Ah, mais roulez. On n'attire pas les gars. Je suis à 200 watts là. Ouais, moi aussi, 190. 170. Ah, c'est dommage de passer très tôt, hein, les gars. Je vois. Bon, on l'attend, hein, 5 secondes, c'est bon. Alors, le chat, on attend parce que c'est tout simplement le meilleur élément qui a une problème de déconnexion, donc on attend pour ça. On a besoin de. Tu te reposes un peu dans les roues, Fred. Hein. On préfère perdre 30 secondes ici que perdre 3 minutes sur tout le chrono. Tu nous vois, Fred ? Ouais, je vous vois, ça 12 secondes. Je prends le relais. Là. Ok. Ok, repose-toi là. Reste derrière. Attends. Laisse se reposer un peu. Je fais un relais là. Ah, t'as fait chier de pas me voir pédaler. Allez, Fred, repose-toi. T'as enlevé le électrique. Capteur. Lâchez pas, t'as l'air déconné là. Allez, tant que j'ai le cardio, c'est bon. Ouais. Que là, ça va. C'est bien, les gars. Bon. Allez, bel esprit, les gars. Bon, en fait, tu t'es déjà posé. On est parti. Et là. Allez, on lance légèrement. Ah, c'est toi qui es devant, j'ai pas vu, excuse-moi. Ah, ouais, participe. On roule bien là les gars, c'est bien. C'est bien, Alex.
voir quand vous lâchez, c'est bon. Ouais. Ne lâche. Parlez. Allez, fort à côté. Doucement, Alban, doucement. Allez, on va me dire que on fait l'effort à la sortie du tunnel, les amis. Attention, faut là. Il y a un coup devant, tout le temps. Oula. Il y a un trou, les amis, il y a un trou. Il y a le petit écart, faites gaffe. Hein. Devant, faites gaffe, regarde. Un petit gap là. Il y a deux personnes qu'on a perdu. Non, c'est bon, on est là. C'est bon, on peut y aller. Ouais. Ok. C'est dur un peu pour tout le monde. Ouais.
On a fait la moitié là. Allez les gars. Allez, allez, on sort. Super moyen. On va rattraper l'équipe qui est partie devant nous. Ça c'est qu'on est bon les potes. On les a en point de mire. On est bien en ligne là, c'est bien. Allez, on passe. Tout le monde est passé ? Je passe Martin. Voilà. Passe. Il faut bien les gars. Hein. Je prendrai un truc de passe pour eux. Ok. Passe dessus. Qu'est-ce qui a parlé là ? Martin. Toujours pas, moi on se dépensera en énergie. Ouais. Je prends un relais. On va pas besoin de faire des gros relais longtemps, à part ça peut-être. Les autres 20 secondes ça suffit hein. Ouais, ça m'a interposé hein. Ouais. Allez, on met un peu de rythme, on s'est un petit peu... Non, un petit peu calmé là. Allez, Martin, prends le relais. Ah.
Allez, j'ai fait 20 secondes. Je relâche. Je prends. Moi, j'arrête carrément de pédaler. Quand je passe le choc, je vais grandir parce que. Ouais. Vous m'entendez les gars? C'est très limite. C'est bon, c'est bon. On est tous en ligne. Allez Nico, fais la jonction. Allez Nico. Voilà, super. Allez, on descend là. Attention, il y a Damien Cortez qui lâche. Avance un tout petit peu. Voilà. Relâchez. Il est là? Non, c'est bon, trop tard. Enfin, qu'il lâche. Il lâche complètement, je crois. Allez, tu peux. C'est bon. Ok. Allez, il est là, oui. Il est là, allez, on ralentit. Allez, 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 Damien, encore un petit peu. Jusqu'à 10 km. Je propose qu'il soit dernier relais et tu lâches. Ah merde. Ah c'est bon, c'est trop long. Ah ok, bon bah c'est pas grave. Bien joué quand même. Bien joué, merci. Non, bien joué, merci. Super travail. Allez, on a encore 7. À 12 km, c'est bien. C'est son petit côte là. Ah oui, tu sais. C'est que du pas. Ouais, attention, on ne serrait pas trop fort. Hein. Oh, les changements de rythme. Faut pas faire péter, hein, les gars. Faut rester hyper. Elle est pas très très longue. Je pense pas que la vie se coupe en haut. Non, non, on va pas faire. Non, on va pas faire la remontée. Hein. On va faire droite. Attention, toi, plume là-dedans. Je me suis. Ah. J'ai ramassé. Ah, putain. Je vais permettre de dire ça parce que je suis pareil. Hein. Allez, on va faire du tour. Allez, les gars, c'est là qu'on peut gagner les secondes. Allez. On a serré la deuxième bombe. Attention. Ralenti. Ok, ça va? On ralentit, on ralentit. On ralentit. C'est bon, il est là. Allez, on a tout le monde. Oh putain, le vent, je le prends. Oh putain. Oh putain. Attention Rémi, Cyril, Nico à une fois. Ça casse là, ça casse. Attends. C'est bon, on revient. Faut plein devant. Ouais. Très bien, très bien. Doucement, Albert, doucement.
on ralentit un peu, c'est notre dur pour les poids lourds là. On ralentit un peu. Petit à fort les gars. C'est presque. Allez les gars. Allez. C'est bon. On est bien. Ouais. On est presque arrivé là les gars. Allez Chili. Keyboard. Putain. Allez, c'est fini. Allez, allez, c'est fini. Terminé là. On y va. Super les gars. Dans la roue hein. Allez dans les roues. On lâche pas. Allez les gars. Là. Bien. C'est bon là. C'est bon. Super. Allez. Allez gars, super. Allez, Rémi, super. Est-ce que la distance qui s'affiche en haut, c'est exactement la distance qu'on a parcourue pour le TP? Non. Ouais. C'est la suite. Ennemi. Donc on a 44,6 de moyenne. Ouais. C'est bien les gars. Ah, c'est pas grave. C'est pas fini. Attention à la bosse. Thank you.
je vais lâcher moi. Quelqu'un? Ouais, Martin. Il y a encore 6 bords. Ça te passe en deux ans. Ça suit. Je passe là. On a Nico une seconde. Tout le monde là. Ouais, attends, tu connais tout. Et puis. En finale. On va démarrer dans le rond. On trouve là. C'est bien, bonne vitesse. Non, ça va là. On va faire au top. Là, au top, la vitesse de poids, c'est bien, 51 km/h. On prend la moyenne. Où ça va vomir? Voilà, c'est bon. C'est l'heure de l'apéro. Il est pas interdit de vomir pendant la course. C'est chaud, les gars, ouais. Et ça coupe. C'est bon. Ouais. On s'est dur là. Allez. Allez, 4 km. Allez mec. Allez les gars. Allez, on tient. Fais pas flexionner. Allez. Allez. Bon, doucement.
T'as bien cassé là. Oh là, j'attends, bien c'est tout le temps. Je suis devant mais j'attends. Il y a eu 7 boss, les 7 boss ils ont fait le même coup. Si je l'arrête complètement, je vais exploser. Allez. Allez, gars. Attends, rien, les gars. Attends, Fred, et avant, on attend. Allez, un. Allez, deux secondes, une seconde. Ça tire pas trop fort, Fred. Ça tire pas trop fort, Fred. Ils ont pas gros. Oh merde, c'est bon. Ah, super. Allez, gars. Allez, génie. C'est le final. Et après, c'est parti. Là. Là, j'attends. Allez, c'est bon. On est là. Ouais. Allez, on pousse. Je suis le reste. Ça va pas trop long à faire. Allez, les gars. Allez, on se fait ça pour le sprint, il y en a pas. On est en équipe, on s'en fout du sprint. Allez, les gars. On donne tout ce qu'on a. Allez, les gars. Allez. Allez, gars. Allez, je peux plus. Allez, garde le coup. Bien joué. Allô? Oh putain, il m'entendait plus.
Bien joué les gars. 47-27, moins 5 minutes. 42-27, putain on est battu. On est battu. 42-20. On est battu d'une minute. Bravo, carton final, c'est bien. Bah, ce matin ils ont mis 41-12. Voilà. On est content que vous ayez fait. Oh putain. Écoute, ah, vous êtes marrant, on est malade. Je vais appuyer, les gars. Super. La raquette. La choucroute. Le bras. T'as pas encore gagné le championnat du monde, hein. T'as pas encore gagné ton set, hein. Bon, tout le monde a son sachet pour vomir. Mais qu'est-ce qu'on est quoi à faire ça? Ah, le pire, c'est qu'en plus, on se met ça deux fois par semaine maintenant. Je dis, ça va être encore pire. Ouais, je dis que ça va faire mal. Mais au moins, on connaît le circuit. Je pense qu'on pouvait difficilement faire une meilleure gestion de course. Là. Ouais, clairement. C'est clair. C'est pas si facile ce circuit quand même. Il y a quand même des sales, parties. Les petites têtes, ouais. Sans les côtes, j'aurais été inutile. Il est pas très très long, ça va encore. Oh les gars, si bon. J'ai suivi le live. Merci Alban quand même. Merci. Salut Kiwi. Merci. Alban, t'avais raison, le ventilo ça change tout. Ah ouais, non mais le ventilo c'est hyper bien. Non mais il y en avait un qui roulait sans ventilo là. En fait, j'ai galéré, tu vois, mais c'est plus facile. Ah bah, tu m'étonnes. Ça a fini en mai. Tu finis comme une méduse sans ventilo, ouais. C'est pas possible. Ah bah là j'ai pas de ventilo, j'ai souffert. Ah purée, c'est pas grave. Sans ventilateur, moi je vois pas. Ah moi sans ventilo, au début, les deux premiers mois où je faisais des visages, j'étais sans ventilo à 25 degrés, mais j'étais mort. Hein. À la fin, tu t'exploses. Ouais. Tes muscles ils sont morts. Bah en fait tu perds de la... C'est l'impression de maigrir, mais tu perds de la flotte quoi, tout le temps. Ouais. Même t'as pas de force. Ouais c'est ça. T'as mal au crâne. Ouais, tu peux pas développer les watts. Bah ouais, c'est jamais en cave, hein. T'as quand même pas le vent. Ouais. Dehors, donc c'est quand même limiter un peu les sessions, quoi, ou faire plus calme. Ouais, sur le chat, il y a une réflexion juste. On n'a pas pris les bonnes trajectoires, les gars. On a perdu du temps. Ça, c'est pas mal. N'empêche, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui prenait des virages plus larges à certains moments. Ouais, moi aussi, je perdais du temps. Ouais. C'est de la merde. Martin, on se sera bien fait un bon entraînement. Parfois, tu vois, si ça t'arrive, il prend pas le draft. Aussi parfois t'as un groupe comme ça puis il quitte le draft, il se met sur le côté. Oui parfois il se met sur la droite. Voilà, il sort, il se prend tout dans la tronche. Alors, et tu reviens quoi. Moi je veux bien. Quand c'est parfois, il n'y a aucun problème. À chaque virage sur l'extérieur, je me retrouve dernier. Ah, t'as mis un handicap à mon avis, c'est-à-dire il est trop bon lui. C'est parce que t'as un trop beau vélo, c'est pour ça. C'est pour ça. Mode raquette. Mais c'est la couleur du fromage. Tu sens la différence avec le tronc Martin? Alors je sais pas, c'est parce que je suis content d'avoir un nouveau vélo. Vous savez en réel quand vous avez un nouveau vélo, vous sentez tout pisser. L'effet nouveau vélo, hein. Ah, l'effet nouveau, voilà. Ouais. C'est l'achat compulsif en réel, là. C'est... Non, mais Zwift, tu sais que tu deviens complètement accro quand tu commences à rêver du vélotron. Là, c'est bon signe. Quand t'es là, tu dis bon, allez, je vais quand même me taper un Aldi Zwift. Parce que là, le vélo. Et pour être tout à fait sincère, j'arrive pas à voir avec toi. Non, mais. Ouais, c'est minime, c'est minime. C'est juste hype, les différences de temps. À part vraiment pour le vélo de merde, y'a pratiquement rien, quoi. C'est vraiment c'est quelques secondes et eux en plus ils ont un moteur pour le faire tourner avec exactement la même puissance à chaque fois. Donc c'est pas pareil. C'est 6-7 secondes maximum. Moi ici j'ai avec un vélo aéro avec la roue pleine. Apparemment c'est le meilleur réglage quand tu dois pas grimper. Mais... Ouais. Allez, tu gagnes bien quoi, mais voilà. Mais c'est sympa de voir un peu personnaliser le truc. Un vélo fort vraiment c'est pas mal. Comment pas de draft. Avec des filles. Ouais, je reste en live le temps de récupérer. Non, mais y a pas le draft, donc, Et alors, Pierre, lui, on est en D parce que c'est le Zwift qui demande qu'on se mette en D. C'est pour le réglage donc, de classement final. C'est Alban qui pose la question pour les TT. Ouais. Ouais, en fait, si on prend tous un TT, on n'aura pas le draft, donc on sera chacun pour soi. Ouais, alors, on aura pas le draft, mais est-ce que le gain avec le TT, il est pas supérieur au gain qu'on a avec le draft? Non. Alors, ce qu'on a fait une fois, c'est que Kiwi il avait pris un TT tout seul et nous on avait fusé son groupe pendant 10 km et là ça avait marché parce que. Ouais, Alban il est fort, hein. Dans les bosses il est léger, c'est un junior. Alors il. Ouais. Ah, bah, il est tout léger. L'augmentation de mon FTP, c'est que j'ai bien roulé les gars. Ah, moi non, j'ai pas eu cette chance.
Je passe au 320, 327. Oui, oh, yeah, baby. Donc, du coup, vu qu'il est léger, Alban, il a un effet plus faible, mais en watt par kilo, il est plus élevé que nous tous. Donc, à chaque fois que la route s'élève, il nous baise. Tu verras comme tu te fais rattraper. Ah, ce sera pour bientôt. Mais le TT, c'est amusant quand vous êtes impatient, mais vous inquiétez pas, c'est pas la nouvelle de l'année. Mais c'est pour bientôt. À mon avis, fin de semaine. Je pourrais vous l'annoncer. L'event TT de Bologne, c'était le plus dur que j'ai jamais fait. Ouais, non, vraiment, ça fait mal grave. Ouais, mais la pause de 4 km. Ils ont intégré le double drap aussi hein, dans certaines courses. Ouais. Là, c'est encore plus. C'est double drap, c'est vraiment très tactique en fait. C'est quoi ça le double drap? Il y a deux personnes pour faire ça. C'est un effet encore du drap comme on a ici, mais encore, encore plus poussé à l'extrême. Quoi. Et quoi, quand t'as deux personnes devant toi, c'est encore plus rapide ou ça se passe comment? Voilà, et puis bah, en fait, plus t'as un groupe important, plus c'est rapide. Hein. Ouais, mais quand il y a un groupe qui s'abat de 7, ça compte plus, un truc comme ça. Il faudrait mettre ça sur le chrono. Parce que c'est comme le drap, c'est-à-dire que faut quand même être derrière une seule personne, il n'y a pas 3-4 personnes. C'est qu'une personne, on est d'accord? Non, justement, l'effet il augmente. L'effet il augmente, plus il y a les jambes. Plus il y a les jambes devant toi. Le mieux, ça va être tout au milieu du paquet. Parce que vous savez que dans le simple drap, si vous êtes au courant, c'est juste derrière une seule personne, ça marche. Donc vous soyez deuxième ou dernier du peloton, c'est exactement la même chose. Ça change rien. Le double drap, pour sauf que quand t'es dernier, c'est dangereux. Attention, ouais. Tu vois bien les pédales juste quand tu te fais larguer par un groupe pour 3-4. Ouais. Après, quand on prend le graphe, le personnage il se réveille aussi. Oui, ouais. C'est bien. Vous faites un meet-up là pour la récupérer. Avec votre handbike, en fait, tu ne mets jamais debout. Tu commences à monter, par exemple, à plus de 3%, il ne se met pas debout, le personnage il reste assis. C'est uniquement sur les sprints qui se lèvent. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, les gars, moi je suis intéressé par un meet-up pour la récupérer. Ouais mais ça met 10 minutes hein, à créer les gars. Ah oui. Pourquoi 10 minutes? Parce qu'en fait le temps que tu le crées et que ça se passe, tu peux pas le créer dans 2 minutes par exemple. Ah ok. Ah ouais, demain dans 23 minutes. Ah non. Je vais pas aller dans la bosse. Ah si c'est attends, je vais essayer. Comment on fait pour faire demi-tour? Ah je peux pas faire demi-tour. Attends, je vais essayer. Oh la merde. Non mais c'est écrit départ dans 21 minutes. Ouais je te dis que c'est ça, tu peux pas... Ouais c'est pas grave, on va la monter tranquille. D'ailleurs j'ai accepté, ça a pas marché. Je sais pas comment ça fait. Salut à tous. Salut les filles. Salut. On va terminer. Alors, c'est quoi les papiers? On s'est fait passer. Ah ouais, bien joué. Par deux équipes, on en a rattrapé une qui nous a repassé, puis on en a dépassé en commune. Non, c'est fait par quoi? C'est pas fait de prendre. 48 ou 49. Vous allez avoir un scandale sur notre équipe. On a relâché. Ah, c'était l'autre équipe qui parlait. Il y a une vidéo de ça? Et vous, ça a été? Ouais, nickel. Super. On a bien géré. Bon entente. Je sais pas, on a doublé quelques équipes. Ouais, on a doublé 34. On s'est pas fait doubler. Parfait. On a très bien roulé. 40, on a hyper bien roulé. 40, ouais, franchement, c'était nickel. Il y a juste Damien qui a super roulé, mais qui a ralenti, je crois. J'ai été largué. 6 km avant, je crois. 10 km avant. C'est pas de la faute de quelqu'un, mais le départ, on peut peut-être l'améliorer encore. Ouais, bien sûr. Ouais, nous, on a un peu coincé au départ aussi. Vous avez quelques soucis là? Le temps de se regrouper. C'est vrai que le départ, je suis d'accord avec Alban, il y a moyen de trouver une autre formule. On était un petit peu dans le vague, on savait pas trop quoi faire. Et après, on a trouvé notre rythme au bout de 3-4 km. Mais moi, je trouve qu'on a bien géré le départ parce que l'équipe. On a bien géré le départ parce que l'équipe qui est partie devant nous, les gars. Après, je crois qu'ils m'entendent plus. De pas rouler ensemble aussi. Non, voilà, ouais, ils m'entendent plus forcément. En fait, je pense que Hop, on va relancer. Vite comme ça, peut-être qu'à la fin on peut y aller au suicide quoi. C'est-à-dire les 5 derniers kilomètres, on en fait un qui va à fond pendant un kilomètre et il abandonne le groupe et le groupe continue. Ouais, c'est pas mal ça. Mais les gars, le départ, je trouve qu'on a bien géré par contre dernier, parce que. Dans les 5 derniers, mais c'est pour ça que j'ai dit à Damien, il est un peu trop nul, je pense. Ah, c'est bon, il m'entend. Il nous refait un relais de 500 mètres. On était trop fort sur la fin. Ouais, mais genre, tu vois, Nicolas Gervais, c'était tout juste. Moi aussi j'étais à bloc. Moi. Ils auraient fait un bon sprint sur la fin de 500 mètres. Et puis nous envoie sur la rythme, sur les 3-4 derniers kilomètres. Que les, parce que les 5 derniers kilomètres, on était un peu. Dans les 5 derniers kilomètres, on était bien. Les 2 derniers, on était un peu raplapla. Et le fait de. Ouais.
de faire comme ça les gars qui vont. Mais c'est pour ça que j'ai dit, quand on est arrivé sur le rouge, je dis les gars, on s'en fout du truc, on y va, on donne tout ce qu'on a. Et c'est là que tout le monde a accéléré, là, et c'était bien, on a remis un peu de rythme sur la fin, c'était pas mal. Ouais. Mais je trouve qu'on a pris un très bon départ, les amis, parce que on a l'équipe devant nous, ils avaient pris 40 secondes sur nous dans les 3 premiers kilomètres, et on l'a repris 1 minute 40 sur la suite, donc ça bien, on n'est pas parti trop vite. Ah bah c'est bien alors, ouais. Qui c'est qui a streamé chez les frappants? Nico et moi. Moi, ça merde et moi. Alex et Lucas. Et moi j'ai mis aussi, t'as pas appelé ça? Non, non, c'est pas qu'il m'a... En fait, je suis déconnecté de... De Discord, du coup ils m'entendent pas toujours. Donc je suis obligé d'aller sur Discord et Nico, je crois que ça... C'est la galère. De FTP ou Alex, je sais pas, les deux. Nicolas ou Alex? Alex, là. Ouais, je suis là, vous m'entendez? Ça a bien marché la vidéo ou... Ouais, très bien, super. Ça a marché, mon fils l'a vu. Mais il y a juste que vous m'entendiez pas quand je parlais, je sais pas, il y a eu un bug avec Discord. Et nous on t'entend? Ouais, on vous entend. Là. Et Nico, toi, comment ça a fonctionné? Il est pas là? Nico, il a micro coupé et casque coupé, donc il va avoir du mal à se prendre. Pour ceux qui roulaient avec nous jeudi dernier, qui est-ce qui avait eu ça, qui était augmenté? Non, moi je suis encore en dessous du mode. Parce que moi, Cyril, il a sa FTP qui est passé de 317 à 320, je pense que jeudi dernier aussi, elle avait augmenté. Je pense de dire que je suis ridicule, ma FTP j'ai augmenté à 340. Je passais de 320 à 323 aujourd'hui. Ouais, mais petit 7, toi le couloir a augmenté, donc c'est le principal là. Bon, bah bon, bon, allez, vas-y, aussi, bonne soirée, les gars! Salut! Allez, ciao à la douche! Ciao, les gars! Et bonne douche! Bye bye. Allez, ciao, les gars! Allez, bonne soirée à tous! Ciao, ciao! Bon, on re-le live! On est entre nous! Bon, c'était pas mal ce petit live! Avec ces petits TT! Faudra voir les résultats officiels, parce que je sais pas trop comment ça se passe, ils nous font partir 5 minutes après les autres, etc. Donc, c'est difficile de savoir. Quantième on est et quel temps on a fait exactement. Je crois qu'on a fait 42 minutes et 20 secondes, un truc comme ça. Donc ça nous donne un 45,8 de moyenne. Mais moi j'étais rupture, je t'abloc. Je sens que c'est la coupure hivernale. Mais bon, j'ai quand même fait presque 4 watts par kilo pendant 43 minutes, donc c'est pas mal, ça va. Pour l'hiver. Les résultats, oui, dès que je les mets sur un sac, comme chaque fois. Donc vous pourrez les retrouver là. Et non, Tom, c'est pas le parquet qui craque, c'est mon pédalier. Je vais faire un quart d'heure de récup, tranquille. Hop, on va tourner toutes les jambes. Mais en tout cas, ça a bien fait mal la gueule. Et je crois que je le cycliste dynamique, il était aussi mal que moi. Bon, ma chérie, elle s'éclate, elle regarde une série ou je sais pas quoi. Elle est morte de rire, c'est génial. Donc il y en a qui souffrent, il y en a d'autres qui s'amusent. Donc oui, suivez-moi sur Insta pour les résultats. Mais à mon avis, en fait, on va avoir des résultats provisoires ce soir. Parce qu'il y a encore la même chose jeudi. Donc jeudi, on attendra encore les résultats provisoires. Et vendredi, enfin de la nuit de jeudi à vendredi, il y a tout ce qui est chinois, japonais, etc. qui vont courir. Donc ces gars-là, ils courront pendant que c'est la nuit chez nous, de la nuit de jeudi à vendredi. Et donc on aura les résultats complets vendredi matin. Et comme on vous l'a dit, si on fait un top 10, c'est pas mal. Si on est dans le top 5, c'est vraiment très 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 bien. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas contrôler tous les home trainers, on ne sait pas contrôler tous les poids de tout le monde, etc. Donc voilà, c'est plus pour le fun, c'est vraiment un championnat du monde juste pour, pour le fun, quoi, pour la blague. Parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Il y en a, ils ont peut-être mis leur vélo électrique sur le... Enfin, on n'en sait rien, donc voilà. Comme ça, vous savez. Oui, je fais partie de la team foudre pour en ligne, tout simplement parce que c'est une team de copains, quoi. On s'entend bien, on live ensemble, on se fait des petits entraînements tranquilles quand c'est de la récup. Et c'est vraiment... c'est pour le fun, quoi. On veut quand même faire un bon résultat, mais le but, c'est qu'on s'entende bien et qu'on fasse une belle course, c'est le but principal. Oui, 0-1 pour Paris. Bah, c'est génial. Je préférerais que ce soit un 0 pour Bruges. Et alors, normalement, jeudi,
ce sera reparti, sauf que en fait dans la sur Zwift, dans la ligue WTRL, donc World League Tactical, je sais plus quoi, il y a des divisions pour les comptes d'amende par équipe. Donc il y a Expresso, c'est la division 1, il y a Frappé, c'est la division 2, et il y a c'est la division 3, je pense que j'ai tout dit. Et aujourd'hui on courait en Frappé, donc c'est la division 2. Et alors dans la division 1 on courra jeudi, donc avec une autre équipe. Là, à mon avis là je vais complètement exploser en Expresso, c'est avec des gaillards qui poussent du 5,5 watts par kilo. Je vais complètement être ramassé. Et voilà, donc ça peut être sympa. Je suis pas encore sûr de participer, mais normalement jeudi on se fera un petit live sur le même circuit, mais dans la division supérieure. Et je voulais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. Bon, ça y est ici. Et jeudi. Oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se batte ici? Ça va, c'est pas ma faute. Tout le monde me fait chier avec mon pédalier là qui craque. Hein. Et donc du coup je sais plus ce que je disais maintenant. Parce qu'il y en a ils sont bien au chaud dans leur plaid hein, en train de regarder la télé hein. C'est bien ça, c'est facile hein. Donc voilà. Ah oui, mais par contre en Expresso là on oublie le podium, parce qu'il y a des équipes professionnelles qui sont là. Du style l'équipe Canyon, c'est une équipe professionnelle avec vous Yacine et tous des gars qui sont super chauds. Donc eux c'est terminé ça, on fera pas de podium, mais c'est pour le fun, quoi. Il y a des enjeux pour le TT? Bah oui, l'enjeu c'est d'avoir un maillot champion du monde, mais c'est pour le fun, quoi. C'est pas, on sera pas réellement champion du monde, on va pas nous jouer la Ligue nationale et nous donner un maillot. Hein. C'est vraiment pour dire, c'est virtuel, quoi. Ça reste un jeu, ça reste un entraînement principalement. Donc oui, il y a un enjeu, c'est que c'est cool. Si t'es champion du monde, ça veut quand même dire que t'as été le plus fort de toutes les équipes qui ont participé. Il y a quand même des très très bonnes équipes, hein, donc c'est pas mal. Mais il y a pas, enfin je veux dire, on va pas avoir de l'argent, on va pas avoir du prestige. Donc c'est pour s'amuser. Regardez ici, on a passé un bon moment avec la Team Food, on s'est bien défoncé ensemble. Et c'était amusant. Bon allez, dans 50 secondes, j'arrête de pédaler. Et je vous laisserai là-dessus. J'irai prendre ma douche, parce qu'il est temps quand même. Je vais se mettre tout doucement au lit. J'espère que ce live vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Aujourd'hui, j'ai pris masse abonnés d'un coup. J'ai eu 30 abonnés en plus juste aujourd'hui. C'est déjà arrivé, mais c'est assez rare. Donc merci à vous, merci au nouveau. Et on se retrouve sur le Discord, ceux qui veulent, comme ça la prochaine fois que je serai dispo pour rouler, pour faire un PCM, pour peu importe, ou pour répondre à vos questions. Instagram pour les résultats. Moi, c'est terminé, là, le défraçage il est fait. Et voilà. Hop, on va arrêter ça ici, terminé. Alors, évidemment, il y a de la transpiration sur le PC, donc ça fonctionne moins bien. Non, mais Tom, il y a deux Tom. Vous battez pas pour savoir qui est Tom numéro 1, mais il y a deux Tom, c'est pour ça que... Enfin bon, allez, les amis, je vous dis à bientôt. On se retrouvera très vite, hein, normalement. Des gros bisous. Alors, j'arrive pas à arrêter le live. Parfait. Voilà. Salut à tous les amis.